Eh bien bonjour vous tous, c'est Rectal, j'espère que vous êtes tous très bien. En tout cas pour ma part aujourd'hui ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vais vous parler du chapitre 3 de Fortnite. Alors comme vous le savez, nous sommes à bientôt à la fin de la saison 8 de Fortnite. Vous allez vous dire, mais il y a la saison 9 après. On a découvert il y a quelques semaines que la saison 9 n'allait pas exister sur Fortnite et qu'on allait directement passer chapitre 3 saison 1 de la nouvelle map. Donc la prochaine mise à jour qu'il y aura, la 19.0, qu'on aura dans 2 semaines, ça sera pas la 19e saison. Si, ça sera la 19e saison, mais ça sera pas la saison 9 chapitre 2, ça sera la saison 1 chapitre 3. Je vais vous dire tout ça, je vais vous montrer la map qu'il pourrait y avoir sur Fortnite, etc. Vous verrez bien. Avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche. Si vous l'activez, voici 10 personnes qui l'ont fait. Si vous l'activez, vous pourrez passer à l'écran. Mettez votre chose épique dans les commentaires, je ferai un live spécial, vous verrez bien plus tard. Mais mettez-le, j'en ai besoin vraiment. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me remercier d'avoir fait cette vidéo, etc. Vous connaissez, mais bref, on va passer à la vidéo. Du coup, la saison 3 va arriver sur Fortnite parce que il y a déjà beaucoup de leakers qui l'ont remarqué que personne n'a parlé de la saison 9. Parce que Fortnite, souvent, quand ils disent dans la prochaine saison, ils parlent dans la saison 9, dans la prochaine saison, la saison 8. Ils n'ont jamais prononcé le mot saison 9. D'ailleurs, dans les fichiers aussi, on n'a jamais trouvé de fichier en parlant de la saison 9. Ça, je pense que vous le savez, ça a été confirmé de toute façon qu'il n'y aurait pas la saison 9. Tous les grands leakers de France, ou plutôt du monde, ont trouvé que la saison 9 n'allait pas exister. Même les gens qui travaillent avec Epic Games l'ont dit, que la saison 9 n'allait pas être là et qu'on allait directement passer à la saison 10. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Je vais vous montrer. Il y a un leaker qui a dit qu'il avait parlé à un mec qui travaillait chez Epic Games et que dans tous les trailers qu'on a eu dans cette saison 8, on avait des petites infos pour savoir les nouvelles villes qu'on aurait quand dans le chapitre 3. Parce que vous savez, quand il y a eu le chapitre 2, il y a eu une nouvelle map, et ben là on pourrait avoir une nouvelle map qui pourrait ressembler un tout petit peu à la saison 2, mais avec des graphismes beaucoup mieux améliorés à ce qui paraît et des nouvelles villes. Je vous montre tout ce qu'on a trouvé, des montagnes, des villes, des grottes, etc. Vraiment beaucoup de trucs. C'est des choses qu'on a paru dans les trailers, qu'on n'a jamais vu actuellement. Et il y avait un leaker qui avait dit qu'il y avait déjà eu des leaks dans les trailers, mais on n'avait jamais fait attention. Et en cherchant mieux, voici tout ce qu'on a eu de nouveau et qu'on pourrait avoir à la saison 3. C'est pas non plus confirmé, mais ça risque d'arriver parce que Fortnite n'ont pas fait ça pour rien, n'ont pas créé des fausses villes dans les trailers pour ne jamais les mettre. Je pense que ça va arriver dans la saison 3. Également, bientôt, il y a le nouvel événement sur Fortnite qui va arriver au centre de la map. Le cube en or vs le personnage qui est dans un globe. Je vous montre une image, je ne sais plus comment, à quoi ça ressemble. Il pourrait du coup y avoir un événement qui ferait apparaître du coup une pyramide et le désert. Ça serait l'événement pour annoncer le chapitre 3 qui est dans 2 semaines. Mardi, il y a la dernière mise à jour de la saison 8. Et le mardi d'encore après, il y aura la nouvelle saison, le chapitre 3, saison 1. Et l'événement, du coup, va arriver pas ce week-end qui vient, ni le week-end d'après, mais le week-end encore après. Dans 2 semaines, il y aura un événement qui va faire apparaître, du coup, le chapitre 3 avec une pyramide. Et les pyramides ne se font jamais accompagner seules du désert, vous le savez. Et du coup, on pourrait avoir un désert. Et bien sûr, on n'oublie pas, la prochaine saison, ça va être Noël. Et Noël, comme vous voyez sur cette image, c'est une ville qu'on a vue encore dans un trailer. Et la ville est sur une montagne avec de la neige. Donc cette ville va sûrement arriver sûr à 80%. Je vous le dis parce que il y a des chances qu'elle arrive. Fortnite n'ont pas créé ça pour rien. Et bien sûr, pour finir, le retour de Tilted Tower. Je vous montre une image. En bas de cette image, on voit Tilted Tower. C'était un événement carré pour un skin. Et en bas à droite, nous voyons Tilted Tower. C'est un indice pour montrer que Tilted Tower pourrait enfin revenir sur Fortnite. En plus, pile poil pour chapitre 3, saison 1. J'espère que ces informations vous auront plu. C'est plus des informations sur la map, on n'a pas d'autres informations pour le pass de combat, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre votre pseudo épique dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour passer à l'écran. Moi, je vous dis une belle journée, une bonne soirée. Ciao!